Salut, c'est G Supercar et aujourd'hui nouveau vlog de car spotting, pas à Cannes mais là on est à Paris. Je suis venu un petit week-end à Paris, pas que pour le spotting, mais bon, on va en profiter bien entendu pour faire le tour des hôtels. Si je vois des trucs, je vous les filme. Et là, de bon matin, on commence immédiatement devant l'hôtel Georges V par une sublime 812 Superface blanche avec une plaque arabe, donc du KSA, et la plaque est très 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 riche, excusez-moi de l'expression, mais il y a possibilité qu'elle coûte sûrement plus cher que la voiture, parce que la voiture vient du KSA, et sur sa plaque il y a KSA avec 4-1. Donc à mon avis, la plaque doit coûter bonbon. Donc voilà, très belle configuration, blanche, intérieur rouge, configuration que j'adore. Un peu à l'ancienne, il hein, y avait une mode, une période avec le blanc intérieur rouge. Donc intérieur tout rouge. Magnifique, j'espère qu'on la verra un peu plus tard, un peu plus exposée au soleil, ça doit être super sympa. Les jantes un peu brillantes comme ça, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour la première voiture du vlog. Très très belle 812. Et juste devant, on a le prince Al-Bashir. Voilà. Je suppose que c'est une Aventador SV. On verra dans la journée si le prince Al-Bashir va débâcher sa voiture. Voilà, donc pour l'instant, une belle bâche Lamborghini. Petit combo. Et on se retrouve devant le Plaza Athénée. On retrouve quelques voitures pour cette matinée de car spotting. Je vous avoue que la plupart des voitures qu'on a vues pour le moment et qu'on va voir, j'ai déjà vu à Cannes. Mais du coup, au moins ça change d'endroit. Donc 812 rouge. Que vous allez voir aussi dans mes vlogs à Cannes. Voilà, toujours en plaque arabe. Juste derrière le très beau Classe G 700 Brabus bleu. Configuration que j'adore, hein, clairement. C'est un des plus beaux Classe G que j'ai vu. Juste derrière, on a un Range Rover très sympa du Qatar, bien rabaissé, bien posé. Je vous montre l'arrière du Classe G. Et on verra si ça bouge un peu plus tard dans la journée. Je repasserai plusieurs fois devant les hôtels. Il y a encore des places de libre, on va dire, pour d'autres voitures. Et là on retrouve aussi une voiture que j'ai filmée à Cannes. Malheureusement c'est pas le plus beau des Classe G. Le G44 Brabus. Avec le covering un peu douteux. Et bah à Cannes il était moche, et bah ici il est toujours aussi moche. Voilà, enfin c'est mon avis personnel, hein. Il y en a peut-être qui aiment. En tout cas moi je suis vraiment pas fan du tout. Donc voilà pour la petite line-up matinale devant le Plaza Athénée. Très sympa cette GTC 4 Lusso en bleu comme ça, avec les jantes grises qui vont bien. Jolie configuration. Là on est devant Paris Prestige Car. J'aime beaucoup ce bleu, par contre je connais pas encore les noms des bleus chez Ferrari. Du coup si vous avez le nom de cette couleur, n'hésitez pas à la mettre en commentaire s'il vous plaît. Là je viens d'arriver devant l'hôtel Royal Monceau, pour le moment assez vide. On a quand même un très petit Classe G 4x4 au carré, blanc. Voilà, sobre. C'est pas un Brabus celui-là. Mais il est quand même plus beau que celui qu'on a filmé juste avant, le Brabus avec le wrap, excusez-moi l'expression encore une fois, qui était dégueulasse. Je préfère avoir un Classe G comme ça, blanc, tout simple, que celui qu'on a vu tout à l'heure. Pourtant celui qu'on a vu tout à l'heure est vraiment beau de base car il est noir et carbone bleu.
configuration très sympa sur cette California T. Je ne filme pas beaucoup de California parce qu'il y en a beaucoup à Paris et la plupart c'est des caisses de location. Mais celle-là est très très sympa. Du coup, bah, comme pour la GTC 4 Lusso, je ne sais pas le nom de ce bleu. Donc mettez-moi en commentaire si vous connaissez le nom de la couleur de cette très jolie California T. Là, je viens d'arriver devant l'hôtel Peninsula. Et une voiture que j'ai déjà vue à Cannes, mais ça fait super plaisir de la revoir ici. Je vous la montre immédiatement. La Bugatti Chiron noire. Enfin, bleu nuit, mais c'est très très discret. Elle apparaît noire, mais en fait, elle est bleu nuit. Quand on l'a vue à Cannes au soleil, on voyait qu'elle était quand même un peu bleu nuit. Bon voilà, ça change un petit peu de cadre par rapport à Cannes, on va dire. Mais c'est super sympa de l'avoir ici, bien exposé devant des plus beaux hôtels de Paris, voire le plus beau en tout cas. Je vais vous la montrer sur cet angle-là. Voilà, elle est quand même super belle, avec l'hôtel juste derrière. On retrouve la roche du propriétaire ici, la petite dame bleue qui va bien. Donc voilà, enfin une hypercar à Paris. J'étais assez maudit des hypercars à Paris, j'avais toujours du mal à spotter des belles choses. Bah là pour le coup, au moins si je vois pas une autre hypercar, j'aurais déjà vu cette Chiron et c'est nickel quoi. Voilà, bon allez, on continue le car spotting. Là on est au showroom BMW là, côté des Champs-Élysées. Je vais pas vous montrer cette M5, par contre je vais vous montrer la nouvelle série 8 coupée qui est juste magnifique dans un gris bleuté, je sais pas le nom de la couleur, un peu nardo, vraiment vraiment très très belle, c'est la première que je vois. Nouvelle série 8 M850i, très très jolie. Je vais vous montrer l'intérieur également. Le nouvel intérieur donc des BMW. Très très sympa. Les sièges sont magnifiques aussi. La boîte de vitesse est vraiment jolie également. Franchement, c'est une très 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 belle BMW. J'ai hâte de voir d'autres configurations et surtout d'en voir dans la rue. Et je sais pas s'ils vont sortir une M8 par la suite. Mais déjà la version série 8 coupée avec le pack M est déjà très très énervée. Bon, il y a juste un petit hic sur cette voiture, je sais pas si vous avez la même impression que moi. Mais cette partie là me fait penser à la nouvelle Mustang. Mais à part ça, rien à voir. Hein. Carbone au-dessus. Tant carbone. Franchement, très très belle configuration sur cette série 8. Petite Aventador blanche, blanc mat même, intérieur tout rouge, qui nous provient, plaque anglaise ou plaque arabe, je sais pas, mais ça fait plaisir de voir ça. Oh, Jean Kéké. Du coup, bah, premier Aventador du vlog débâché. Et regardez-moi la taille de ce Lexus. Limousine le truc, avec une plaque du Qatar bien évidemment. Lexus limousine, j'étais pas prêt du tout.
Classe G Cabriolet Mansory devant le Prince de Galles. Toujours sympa de le voir, ce petit Classe G. Pour ceux qui ont l'habitude d'être dans le sud, on le voit très très souvent à Monaco et à Cannes. Là du coup il est à Paris, je vous le montre un peu plus en détail avec le gros gros carbone là. Très très gros carbone, il fait un super bruit ce Classe G, vous allez comprendre pourquoi. Regardez la taille des échappements. Échappement Mansory. Voilà pour ce très petit Classe G tout mignon, tout gentil. Je profite d'être dans un parking pour vous montrer les quelques voitures qu'on a croisées. Donc là on commence par une petite AMG GTR grise. Intérieur noir. Je vous montre rapidement l'arrière. Voilà, AMG GTR. Donc là on est dans le parking de la place Vendôme. On va faire un petit tour du parking, hein, même si j'aime pas trop se poser dans les parkings. Je suis là donc on en profite. Petite Lamborghini Murcielago première génération dans le parking. J'étais pas prêt du tout de l'avoir ici. Je vais vous filmer l'arrière. Elle a les petites ailettes ouvertes là, j'aime beaucoup. Ça a quand même bien vieilli ces Murcielago, je les trouve toujours aussi sympas. Je suis pas fan des jantes par contre des Murcielago des premières générations. Je préfère les jantes comme sur la Roadster. Boîte manuelle. Très très joli Huracan bleu Spider. Jante grise, c'est parfait. Donc voilà, je fais un petit peu tous les niveaux pour voir ce qu'il y a sur le parking. Très très sympa. Petite F430 rouge. Là on a une Testarossa grise. À côté, le Prince Al-Bashir. Et sa Ferrari, je pense que c'est une Maranello, mais apparemment c'est une Mercedes Maranello. Classe G44 au carré bleu. Très beau celui-ci. Bien propre en plus. Même couleur que la 500 Riva juste devant. Elle a l'air toute petite à côté, regardez. En fait, la 500, son toit, il arrive au niveau du capot moteur du Classe G. C'est assez ouf quand même, la différence de taille. Impressionnant. Ah, pour le coup, il est très sympa celui-ci en bleu. Beaucoup plus sympa que celui qui a le wrap dégueulasse. Ford GT les gars, j'étais pas prêt du tout pour cette Ford GT. Ok, ça fait plaisir de voir ça ici. Et voilà, ce petit vlog de car spotting à Paris se termine ici sur les Champs-Élysées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour votre aventure. Ciao. Abonne-toi, merci, ciao.